Les courtiers POP, Prime of Prime, servent d'intermédiaires entre certains courtiers et les grands teneurs de marché, ces derniers étant la source de liquidité. Les POP ne sont pas des teneurs de marché. À la place, ils transmettent les ordres de leurs clients au niveau supérieur, c'est-à-dire un teneur de marché. Les fournisseurs de liquidité, sous une forme ou une autre, sont essentiels pour de nombreux courtiers de CFD plus récents et plus petits, car ces courtiers ne traitent normalement pas eux-mêmes un volume suffisant pour apparier les ordres ou prendre le contre-pied des transactions. Les petits courtiers, et certains de taille moyenne, ne disposent pas de moteurs de tenue de marché, d'algorithmes de tarification ou de techniques de gestion de risque entièrement développées. Ils n'ont pas non plus l'expérience générale requise pour fonctionner en tant que teneur de marché. Pour les nouveaux courtiers, le problème de l'utilisation de certains POP est le coût. Les POP n'étant pas des teneurs de marché, ils utilisent les liquidités d'une autre société située plus haut dans la chaîne, ce qui signifie qu'ils doivent majorer les spreads et les commissions qu'ils reçoivent pour gagner de l'argent. À son tour, le nouveau courtier en bout de chaîne doit majorer le coût des intrants pour pouvoir réaliser un bénéfice, ce qui peut le rendre moins attractif pour les clients potentiels par rapport à des concurrents mieux établis. La fourniture de liquidités d'Exness est différente dans la mesure où nous sommes un teneur de marché. Nous créons nos propres liquidités, nous n'avons donc pas besoin de majorer les spreads reçus des autres ou d'ajouter des commissions supplémentaires. Cela permet également une exécution globalement plus rapide et plus fiable par rapport à une chaîne de liquidités plus étendue. De la même manière qu'avec les partenaires et les clients individuels, Exness souhaite que les relations avec ses courtiers clients soient durables et mutuellement bénéfiques. Nous offrons des spreads stables et un soutien fiable aux entreprises qui s'installent, car nous apprécions la stabilité et les connaissances locales. Nous bénéficions donc de nombreux avantages liés à l'entrée sur un nouveau marché ou un nouveau segment de marché. Exness propose actuellement deux types de comptes pour les entreprises, les comptes d'entreprise et les partenariats API. Les comptes d'entreprise sont destinés aux sociétés qui souhaitent négocier directement avec Exness en utilisant notre MT5. Ils sont essentiellement les mêmes que les comptes pour personnes physiques, à l'exception de leur disponibilité pour les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés. Un partenaire de liquidité API est un courtier qui dispose de sa propre plateforme, généralement MT4 ou MT5, mais qui n'a aucun moyen de proposer des prix, une exécution ou une gestion des risques. Exness fournit une solution spécialisée de liquidité à ses entreprises par le biais d'une API. En pratique, cette option est destinée aux petits et moyens courtiers qui souhaitent maximiser l'efficacité et la fiabilité, mais aussi réduire le coût des transactions pour attirer davantage de clients. L'année prochaine, nous lancerons un troisième type de compte, le partenaire Omnibus. Il s'agit d'une solution complète qui comprend également une plateforme de trading sous le nom de courtier client. Ne manquez pas nos actualités pour en savoir plus sur le partenariat Omnibus en 2023. Les relations entre les courtiers et les fournisseurs de liquidités peuvent être difficiles, mais cela est souvent dû à des malentendus et à des priorités contradictoires. Si un courtier considère Exness comme un fournisseur de liquidités, nous tenons à avoir des interactions personnelles régulières avec lui. Une communication fréquente et des réunions en personne les aident à mieux nous comprendre et, surtout, à mieux répondre à leurs besoins et à personnaliser nos services.